question de Renata. Pensez-vous être beau, extérieur, intérieur, au-delà? Trois points de suspension, c'est un petit peu subtil. Tout simplement, est-ce que vous vous aimez? Il y a une période bon, où... Bon, moi je vais répondre alors tout de suite. Go. Alors, côté beau extérieur, je pense que oui, parce que j'ai beaucoup de d'admiration de partout et de nulle part, alors je pense que je suis beau. Intérieurement, je suis beau aussi, j'ai plein de belles qualités, comme être généreux et être toujours là où, quand il faut. Ouais, ben c'est ça. Et voilà, ok. Je pense que ça suit pour moi. Alors pour moi, c'est quoi la norme de la beauté? Parce qu'on se base toujours sur ce qu'on voit, sur ce qui est diffusé. Alors t'as Karl Lagerfeld qui va faire un super show, t'as des super nanas. T'as des super costumes, t'as des plumes un peu partout, tout ça c'est censé représenter la beauté. Avec des nanas bah, qui pèsent 45 kilos quoi. Alors que les hommes, bah, ils aiment aussi les femmes rondes, les femmes bien en chair. Ah, c'est joli aussi. Les hommes trouvent ça beau. Et ça va à l'inverse et à l'encontre de ce qui est diffusé. Alors qu'est-ce qui est beau? C'est quoi les normes aujourd'hui de la beauté? Et tout ça pour dire que, est-ce que moi je me retrouve là-dedans? Est-ce que je m'aime? Parce que c'est vrai que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Si on se trouve beau, on trouve les autres beaux, forcément. Alors, je vais rester sur un questionnement. C'est toujours la question. Donc, j'ai pas de réponse. Comptez-vous faire des concerts en France et à l'étranger cette année? Non, je pense pas. Alors, en France, c'est déjà fait, hein? Oui, mais cette année. Ah, cette année. Alors, cette année-là... Le problème, c'est que quand on part en France, pour faire 22 000 km, après il faut un hébergement, après il faut être bien encadré, on a fait 9 semaines et un jour, et c'est le seul moment où on a été vraiment bien encadré, quoi, de A à Z. La boisson, le marin, le pourra-pourra-hanga, et ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui a des moyens et des fonds, pour qu'on puisse se sentir bien et pouvoir, quand on se sent bien, la musique elle est forte. Quoi. Et là, cette année, ben, on n'a pas de promoteur pour ça. Quand vous chantez du rap, vous considérez-vous comme des chanteurs de chansons noires, style un peu morbide? Oui, moi je suis morbide de nature. Moi, je sais que dans les moments les plus sombres, il y a beaucoup plus d'inspiration, les capteurs sont plus ouverts. Et il est plus facile pour moi, personnellement, de composer dans des moments sombres, parce que ça vient comme ça par enchant. Voilà. Donc, je dois sûrement être un peu morbide. Est-ce que vos deux cœurs sont... Un et deux? Okay. Un, oui. Et l'autre? Ouais, nos cœurs sont plus. Okay. Désolé, hein, mais nos cœurs sont plus. C'est pour ma soeur, ouais, c'est pour ma soeur. Ah, ah ouais, mon ma soeur, ah là là. Ouais, je pense que c'est oui, ils sont plus. Attends, dans la trentaine quand même, à notre âge. Ah ouais, hein, à 34 ans, on est quand même accompagné dans notre vie, bien sûr. Voilà. Question des caméramans. C'est toi. Ah, c'est toi. Oh là, question à chier ça. Que pensez-vous de la situation politique en Polynésie? Moi je vais dire c'est nul de dire, mais je vais dire bravo au papy qui a fait une alerte à la bombe et qui a fait la une à la dépêche. Parce qu'il était excédé et tout ça. Et c'est vrai, punaise, ça fait, on va dire des mois, mais des années maintenant que un gouvernement part, des sous partent. Un autre gouvernement part, des sous partent. Et punaise, nous on a besoin de sous. Et quel gaspillage, quoi. C'est dommage. Et pas que c'est dommage, c'est révoltant. Faites un minimum, punaise. Une brique, il touche pas à moi, ces politiciens. Entendez-vous, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes, et vous avez des barbes, vous êtes grands, quoi.
C'est des gros papas de Noël. Hein. Voilà, et ouais, mais donnez-nous des cadeaux, quoi. Ne gardez pas les cadeaux pour vous. D'abord, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est vachement original. J'aime beaucoup. Et on parlait d'humour, donc je voulais savoir si, d'après vous, on peut rire de tout. Qu'en pensez-vous? Salut Lolo. Merci. Lolo, avec ta barbe et ton fauteuil, là, t'as l'air vraiment sympathique. Tu sais qu'il doit beaucoup rire. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Les religieux, ils vont te dire non, bien sûr. Et nous, comme on n'est pas des religieux, on lui dit oui. Voilà, on rit de tout. Ouais. C'est bien de rigoler. Hein. Ouais, on arrive aussi à rire de nous-mêmes, des fois, à petite dose, à moyenne dose. Il faut faire la fête. Hein. Ouais. Quand on fait la fête, on rigole. Et c'est pas la fête, c'est la fête. Et tu as une tête à faire la fête. Alors on va tous rigoler ensemble. Un de ces quatre, bien sûr.